Vitesse. Yeah, bitch. Ça fatigue là. Je suis pas bien. Yeah. J'étais en train de faire un truc, moi. Et là, Sparko d'attaquer, donc t'as pris des Dignitas. Hein. À côté, mais je m'attendais pas qu'il allait lancer. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire le Sparkito? Prendre la hauteur, je sais pas. Bon. Plus l'alcool là, Sparkito! Tout ça pour ça. T'as vu quand il y en a qui tire une roquette? Quand on le voit pas. Boum, boum. Le mec qui tire au bazooka quoi. Bien joué ça, la part de Sparko qui fait le kill directement sur Fantastic. 1v2. 2 points d'a 3 points d'armure. Au niveau du pas, 2 points d'armure, j'avais raison. Le coup de rail qui passe sur Zacubus. 1v1 maintenant contre NVC. NVC ou Sparko? Sparko NVC. Le duel est d'après moi Sparko. Bah oui, bah, c'est fini. Ouais, c'est chaud. Ça a pas marché là. Fuck! Eh, Quaco. Oh putain, la hauteur là, où il était? Même lui, il était étonné, je crois. Allez, il passe directement à droite. Il a été vu, hein. Totalement grillé. Le coup de rail qui passe à 16 cm au-dessus. Belle roquette de la part d'NVC. Quaco qui va aller chercher le joueur au niveau des grilles. Ouh là là, c'est tendu. Belle décale de Zacubus. Zacubus qui est pas très bien aussi là dans son petit recoin. Quaco qui lui reste plus qu'un point d'armure. Quaco qui va sûrement se faire éliminer là. Voilà, c'est fait. Zacubus qui met les roquettes dans le dos. Bien joué à lui. Moi non plus, j'ai pas. Je ne sais point te dire, mon cher. BO3 MR9, c'est le meilleur forme, moi je trouve, pour des matchs. Ils sont pas bien. Ouais, ils se font défoncer là pour l'instant. Les joueurs de Dignitas. Allez. Nalonchka qui attaque. Je sais pas, je l'entends pas, c'est pas un problème. Double de NVC et triple hit peut-être, non. Mais là, les Dignitas qui resserre le joueur adverse. Alors, en plus, c'est pas bien là dans son petit recoin. C'est gros qu'il n'y a pas le dos là, par contre.
Allez, la décale sur Fantastique. Normalement, on aurait eu un cancel roquette là, mais ça marche plus. Donc, la mort de du joueur d'Apple. Non, il est tiré à côté du grillage. Ah, c'est peut-être quand on tire en même temps, c'est tout. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Bon, Sparko, attaque! On va voir comment ça. Oh là là, beaucoup de raids directement sur Fantastique. Là, d'un seul coup, il est moins fantastique. C'était beau ça. Allez, la décale sur Zacubus, le petit move, il y a un joueur encore au niveau du pad, on dirait bien, oui, c'est une VC. Voilà, le coup de raid qui passe pas loin, du joueur totalement au fond là. La petite tête et la trappe, Sparko qui est vraiment chaud aujourd'hui, qui met du caca. Le coup de raid qui passe pas très loin là, du dernier défenseur, 1v1, 3 points d'armure encore. Va-t-il le faire Zacubus? Ça va être la question, Sparko qui va prendre de la vitesse. Ouais, mais là il est dans une descente, hein. Fais attention quand même, le kill, loupé. Zacubus qui arrive à mettre une, deux, et peut-être la troisième. Il commence à cap le pol. La troisième qui passe. 97%, vraiment bien joué de la part d'Edinta, sinon ça serait perdu pour cette première map. L'Anouska, oh là là. Allez, là il était au nord, hein, surtout regardez vers le nord. Regardez la neige. C'est bien joué quand même de la part de Zacubus, hein. Zacubus qui sauve son équipe, il met 3 hits avant. Là, il défend, il met son attaque, il défend, j'allais dire. Il met son attaque, il a fait vraiment 2 rounds parfaits pour l'instant. On va voir si ça va continuer, quoi qu'il va attaquer. Il peut encore faire gagner son équipe s'il arrive à mettre son attaque maintenant. Ça va être la question, quoi qu'il va essayer de brain son adversaire, est-ce que ça va marcher? Non, pas du tout, pas du tout. Et en plus, il prend une roquette au passage. Ça n'a pas marché. C'est pas Nanushka à droite. Allez, Quacko qui cherche après cet adversaire. Beaucoup de raids de la part de Fantastic. Oh, les roquettes rebondissantes qui passent pas très loin. Avec décale pour essayer de faire tirer le rail. Mais là, on le voit. Ouh, les roquettes qui passent pas très loin. Ça va être impossible pour Quacko de mettre son attaque. L'agression qui fait le frein.
Et Nanuka, ouais, qui peut faire gagner son équipe et rattraper son erreur de tout à l'heure. Hein. Alors, le round où il a laissé passer l'attaquant, c'est le round où il a eu l'attaque qui a été mise par ses adversaires. Alors, faut vraiment qu'il se rattrape là. Nanuka qui cherche après le joueur au niveau de la grille. Ça, c'est bien fait! Un gros coup de rail dans la tête de NVC, le joueur au niveau du pad. Oh, c'est trop bizarre là. Le petit move pour décaler. Zakub, non, c'est pas Zakub, c'est Fantastic au niveau du pad qui ne passe pas. Nanuska qui sait qui est descendu du pad. Double hit là de la part des deux défenseurs. Fantastic et Zakubus qui met un hit. Fantastic qui tombe. Il reste plus que Zakubus. Zakubus qui se retrouve en 1v1 face à Nanuska. Nanuska ou Zakubus. Le coup de rail qui passe à côté. La roquette qui passe. Zakubus qui sauve encore une fois son équipe. Bien joué. Il y a eu de la chance, fantastique. Je sais pas si t'as vu, il y a une roquette qui a disparu. Ouais, Apoka, c'est vrai, mais le truc, c'est qu'il y a, y a pas encore beaucoup de joueurs. Alors, quand il y aura beaucoup plus de joueurs, peut-être que ça deviendra plus gros. Quand on voit les IPL, 100 000 dollars, c'est clair, c'est beaucoup, mais après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, au gaming, toutes les semaines, tournoi à 200 euros, Eclipsa, tournoi à 100 euros, voilà quoi. Et Sparko qui fait son premier frag, mais qui a plus qu'une touche. Fantastic, lui a mis un coup de rail en même temps. Beau kill là sur NVC. Sparko qui se retrouve en 1v1 contre Zakubus. Zakubus qui ne meurt pas. Le coup de rail qui passe les îles devant lui. Et il sauve encore son équipe. Et il a fait gagner. Ah non, MR9. MR9. BO3, MR9. Ah mais clair. C'est clair. Pour les au gaming, tu vois, bah tu vas sur au gaming et c'est tous les mardis de 22h30 à 23h30. C'est des show matchs entre deux grosses équipes. En ce moment, c'est Dignitas EU qui gagne tout. Allez, la Quaco, désolé d'ne pas avoir suivi son action. Il a fait directement double kill. Il va peut-être faire revenir son équipe. 1v1. Encore une fois, Zakubus. Hein. Oh là là, Zakubus qui est vraiment présent. S'il la met. Ah non, je veux dire, s'il la met, cette défense, il aurait vraiment été on fire. Mais non, il se fait éliminer avant. 8 à 8. Et les Pyrogènes qui recollent le score. Les Pelunch Players qui recollent juste à temps au niveau du score. Il doit craquer.
Bien joué. Oh, j'y ai cru un peu. Franchement. Ouais, c'est sûr. Allez, Nanouchka, qui attaque, qui est obligé de mettre son attaque là depuis tout à l'heure. Il se loupe un peu au niveau de la défense. Il a mis une attaque. Ah non, il l'a pas mise. Ah ouais, c'est vrai, il l'a pas mise. Il était pas loin de la mettre. Il a perdu son duel contre Zacubus. Et là, on va voir s'il arrive à gagner son attaque. Tout à l'heure, il y a un peu de mal, le joueur. Ah, le premier kill qui est fait, mais il prend une touche. Oh là, le duel, c'est chaud. Le hit qui passe, Nanouchka qui lui reste plus qu'un point d'armure contre NVC. NVC va-t-il sauver son équipe et la faire gagner pour cette première map? Et non, il prend un pré-shot de Nanouchka. Bien joué. Il se réveille enfin. Même si on regarde, ce parcours n'a pas fait beaucoup de touches au niveau du pad, mais il est vraiment gênant. Alors que Nanouchka a fait plus de touches, mais a pris pas mal de premiers kills. Très dur comme pose, hein. Et pas la plus facile, hein. J'aime bien les matchs comme ça, trois attaques, trois attaques de chaque côté, six attaques en tout. C'est bien, ça donne du rythme au moins. On voit de belles choses depuis tout à l'heure, des beaucoup de rails et des belles actions défensives aussi, hein, faut le souligner aussi. Des bonnes agressions, des belles roquettes en pré-shot. Ça aussi, il faut pas croire, hein, c'est pas, ça vient pas tout seul, c'est travaillé et c'est bien fait. Allez, Sparko. Ah là il les crame hein, les maps en ce moment pour les qualifs IPL. La décale sur le joueur au niveau du pad qui passe pas pour Sparko. Sparko qui préfère redescendre, il va essayer de passer. Oh il passe comme ça devant le joueur qui est au niveau du pad. Il va chercher après Zacubus, il le sait. S'il tue Zacubus pour lui ça doit être gagné. Mais là les trois joueurs sont face de lui et un triplé de la défense. Une touche chacun. Bien joué là. 10 à 10 et je crois que je sais pas si on fait un no limit ou quoi. D'un côté, ça devrait être logique, nos limites. Hein. Au pire, 99, quoi. Oh! Ah, dommage. Première roquette qu'il a vraiment pénalisé. Il aurait eu cette première roquette en moins. Ça aurait été un peu mieux pour lui, à mon avis. Il aurait peut-être réussi à la mettre. Hein. On sait jamais. Mais là, une belle roquette en pré-shot de la part de Quaco avec une belle info de Nanouchka. Allez, Quaco qui part à l'attaque justement, qu'on parle de lui. On va voir ce que le Corse est capable. Oh, le coup de rail au fond qui était tenté à une pulse différente la première fois qu'on la voyait cette décale. Mais elle n'est pas passée. Le coup de rail encore une fois qui passe à côté. Et Quaco qui décide de passer complètement derrière. Qui repasse au niveau du middle. Confrontation au niveau du mid. MVC qui tombe. Oh, c'est chaud là pour l'instant. La décale directement sur Zacubus, Zacubus qui tombe. Quaco qui va peut-être faire gagner son équipe s'il arrive à mettre son attaque. Il se retrouve face à face contre Fantastic. Fantastic ou Quaco, deux points d'armure. Oh là là, il met une touche, mais Quaco met son coup de rail. Une grosse première map. Hein.
Tac, il se fout légèrement de ma gueule, je crois. Cher compatriote. I have a problem. Oh my god. Ces commentateurs sont impressionnants. No, not E. Hey, on the... Ah. On the impressionant. Sparko qui fait le frag, ouais, directement au niveau de la droite. Sparko qui cherche après la décale. C'était bien eux que je commentais. Ouais. Allez, Sparko qui attend maintenant, il cherche, il attend la décale des défenseurs pour revenir au niveau du pôle. Il y a encore un joueur au niveau du pad, fantastique, il met deuxième hit, fantastique. C'est bien joué de la part du joueur de Sidintas. Sparko qui a un joueur en dessous de lui là. Et il prend la roquette de Zarkoubrous. C'est moi ou Moustax, il a dit qu'on était complètement fous dans nos têtes. Ah, c'est lui qui est complètement fou. Ah ouais, il, ouais, c'est vrai qu'il est... Ok. Ok. Going the doctor! C'est clair, quand on arrive à côté du pôle, c'est... il va bientôt faire tout noir, quoi. Les bugs des herbes, quoi. Allez, Kwaku qui attaque, il l'a vu. Et on a vu un petit bout de crâne, hein. Il se fait pas voir. Les roquettes qui passent pas très loin de lui, quand même. Allez, Kwaku qui n'arrive pas à faire de décale pour l'instant. Le petit move, ah, c'est bien fait, il prend un coup de pad quand même, fantastique, il fallait le mettre hein, ce coup de pad, mais qui tombe juste derrière, attention, NVC qui a failli se faire découper au passage, il prend de la hauteur là, Kwako, moi je l'aurais pas tellement fait parce qu'après faut descendre de sa hauteur et il y a NVC, une roquette et une deuxième roquette, bien joué de la part de Zacubus. Ah, je sais plus comment on dit pareil en anglais. Merde. Hein? Hein? Alors, mais tu vois, pour lui dire que... Oh punaise. Quand... Mais quand tu regardes, c'est vraiment vrai que les insultes c'est beaucoup plus facile à apprendre que le reste. Hein. Ouais.
Nanushka qui attaque 3-1 pour les Dintas. Bon, c'est bien fait ça, directement sur Fantastique. Ah, j'en peux plus de... Nanushka qui... Qui cherche je sais pas quoi faire là pour l'instant. Ah voilà, bah il a trouvé sa Cubus au final. J'ai pas compris le truc qu'il faisait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et il reste plus que NVC, 3 points d'armure. Ah, il y a vraiment le temps là, Nanushka qui va sûrement faire le café. Là, le joueur qui est en dessous, il prend une roquette, mais fait le frag. 3 à 2 pour les Dignitas qui ont l'avantage de la défense maintenant. Ouais, 3 à 3, on rappelle la première map a été gagnée par les Pelunch Players. Votre mère Grèce aime sauter son... Oh, il est sérieux. Oh my god, Sparko, là on peut le dire, hein. Ah, la roquette qui touche pour Sparko. Allez, translateur, good. Elle juste Grace, grosse. Grace. Grace, ouais, grosse, fat. Grace, vinaigrette. Vinaigrette. Ils sont sérieux à trouver des phrases comme ça. On a les mêmes. On a les mêmes. Oh my god. Im. Je suis Im. Je suis. Je suis. Allez, Quaco qui attaque, il a déjà pris une roquette. Oh, il prend un pad et une autre roquette. 6 à 3 pour les Dintas qui prennent l'avantage. On vous rappelle, c'est du MR9 pour cette finale. Allez, Zacubus qui prend la grotte. Pas vu de joueurs encore prendre le grappin, je crois. Oui, j'ai pas fait attention. Zacubus qui part côté droit. Right side. First hit, force pass, go. Ah, you know.
Oh, Sparko, deuxième hit. Oh, et Quaco derrière qui a fait le bac et qui met au fil touche à ce dommage, 20 secondes. Ouais, oh, Impérial, le spa. Et d'où il le met celui-là? Entre les deux. Il devait être pingé. Ah ouais? Ouais. Wow, GG Sparko là. Et les 3 hits au pad. Granouchka qui attaque. Ce serait bien qu'il arrive à mettre son attaque là pour vraiment débloquer les compteurs à son équipe. Pour recoller plutôt les compteurs. D'ailleurs, il y en a mis une. Va-t-il mettre la deuxième? Ça va être la question. Granouchka qui prend la ligne au niveau du pad. Il n'y a personne qui décale. Allez, il va falloir aller le chercher. Belle roquette. Il va chercher le coup de rail qui est loupé. Mais attention, les joueurs sont descendus. Il prend deux roquettes de la part de Zacubus. Et fait tomber NVC au passage. Il check un peu au niveau du pad, la roquette qui passe à rien du tout. Granouchka qui fait le kill sur Vandastic. Il n'y reste plus que Zacubus. Zacubus encore une fois. 1v1 situation. Gold droit. Et c'est Zacubus qui la gagne une fois. Encore une fois, 7 à 4. Allez, 7 à 4. On va voir si NVC, là, en mettant cette attaque, fait envoler son équipe. 3 attaques à 1, ça ferait vraiment mal, là. Allez, il a Sparko en face de lui. Oh, ça passe, ballon est 4 cm sur Sparko. Granouchka au fond, c'est loupé. Il cherche Quaco. Ça y est, il a Quaco, il a les 3 défenseurs. Il a Sparko en l'air, Quaco en dessous de l'arche. Et Granouchka au pôle. Allez, il va essayer de faire la décalation sur Sparko, ça rentre pas, il est au pad, peut-être sur Quaco, ça ne marche pas non plus, 47 cm, ça passe loin, claquage roquette, suivi d'une première touche de Granouchka là sur NVC. Allez, NVC, 2 points d'armure, ah Quaco 7 cm, il sait que c'est loose, ça y est, il a perdu le fil, c'est dommage là, NVC qui s'était bien lancé là, ouais. Un beau rang, dommage là. It's very funny, English guy speak French. Et il y en a rajouté une. Vous pouvez nettoyer ma chambre et me donner une pipe pour 5 euros. les Romains, c'est ça. Oh, très belle décale de la part de Sparko. Arrête, j'essaie d'être sérieux. Stop. I'm seriously forecasting. Sparko qui prend un premier coup de patte de la part de Vandastic. C'est fantastique. Sparko qui cherche après, il le trouve, mais Vandastic qui m'a hit encore une fois. Vandastic qui va sûrement lui tomber dessus maintenant. NVC qui vient en contact pour vraiment essayer de le faire bouger. Le coup de rail qui part dans le mur là, à rien du tout. Vandastic qui n'arrive pas à mettre le dernier coup de rail pour l'instant, mais c'est tendu entre les deux joueurs. Le coup de rail qui passe à rien du tout. Vandastic qui va le chercher, le coup de rail encore une fois, à rien du tout. Et là, il va mourir, à mon avis. Sparko, c'est tendu. Non, il fait le frag sur Vandastic. Il reste plus qu'NVC. NVC ou oh, Sparko. Paco, MVC, oh guy, cap le ball. Oh là 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 là. Oh, ah, le round de ouf. Bien joué à ce Sparko. Ouais, ouais, là, c'est l'égalité au niveau des attaques. Et tout de suite, c'est tout à refaire là pour Vandastic, qui a intérêt à la mettre. Sinon, ça sera l'égalité parfaite là pour les pyrogènes. Ah, je suis pas sûr qu'ils suivent le match, t'sais. Ils sont plus sur Google Pad ou Internet à chercher des phrases. Plus que chose quoi, c'est même derrière ça. Ah là, je vous Tac, c'est qui a répondu. Allez, Vandastic là qui prend double touche, la Granouchka qui fait l'élimination sur Sparko. Le touche de Granouchka et de Sparko, pardon. Ouais, c'est ce que j'ai. Et Quaco contre Vandastic. Vandastic, un point d'armure. Oula, ça aurait pu être fatal là pour Quaco, ce petit Pacopole. Oh, il lui prend le talon quoi, il lui explose le pied. Oh là 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 là, quel dommage là. Ça va être dur là. Quaco, il a intérêt à remonter ses manches. En attendant, tu vas regarder le chat et la réponse à la formulation de notre charme tout à l'heure. Un coup de raid qui passe à 8 cm du joueur au niveau du pad là. Vraiment dommage. Ouais, je te jure. Ça là, t'as pas le Vandastic. Zacubus qui met un hit au passage. Un V3, un point d'armure. C'est quasiment impossible maintenant pour Quaco. Il n'y a plus le droit à l'erreur. En plus, il y a un joueur au niveau du pad. C'est vraiment, ça va être vraiment très dur. Hein. S'il la met, bravo à lui. Quaco essaie de faire la décale sur Vandastic. Ça ne passe pas. Il va la refaire. Le coup de rail qui passe pas non plus. Et il va aller chercher Vandastic. Mais Vandastic décale au bon moment. 9 à 6. La deuxième map qui est gagnée par les Dignitas.
Ouais, deuxième map, un partout, la deuxième map pour les Dignitas, et on va partir sur Iron Fist. C'est vraiment, mais c'est vraiment serré là entre ces deux équipes. Ça fait vraiment plaisir. Même si les viewers nous déconcentrent un petit peu sur le chat. Ouais, Mais histoire de sinon. merde et tout. Vas-y, Pas j'arrive mal. 2 secondes, chercher vite fait un truc à boire parce que là j'en peux Ça plus. Je marche. fais rapide. Allez, de toute façon, dernière map là de cette finale de l'ESL Beta Cup U numéro 48 qui oppose les Tinitas contre les Pyrogènes. Les Pelunch Players. Avec Zlatan Nanouchka qui remplace Hybride. Alors, on va voir ce que ça donne hein, sur cette map. Je vais en profiter moi aussi pour plinker les bêtes. Allez. Ah. NVC Brock or Mike. Ok. Ah, c'est pas. C'est un petit peu dommage. Excusez-moi, j'en baille un peu, je commence à avoir la fatigue. Sorry. Allez, ça va pas tarder. On pourrait s'est lancé même. Avec Fantastic, toujours à l'attaque. Bon voilà. Sur le bon. Un resub. On va regarder vite fait la position défensive là. Les pilotes hier avec Nanouchka à la grille de gauche, Pyrogen Sparko à la grille de droite et Kwako qui est au backball. La Fantastic qui s'élance. Allez, Fantastic là, il faudrait peut-être les surprendre. Et là, t'as été vu, je crois. Ça va être dur pour toi de ce côté. Non, même pas, ils t'ont pas vu. Oh, il n'y avait aucune info. Ah, ça c'est dommage là, il s'est un petit peu précipité. Il voulait faire le kill sur Nanouchka, ça n'a pas marché. Et là, tout de suite, la défense qui se remet en place. Et ça va être assez dur là pour Fantastic, même s'il a toujours ses 3 points d'armure. Et là, il en perd un, peut-être un deuxième maintenant. Kwako qui le rush, Sparko qui vient aider avec cette deuxième roquette, même si Fantastic fait le kill. S'il arrive à cap. Oh la roquette qui tape sur le défenseur! Oh là là! Oh la roquette qui tape sur le défenseur et qui sauve la vie de Fantastic! Oh my god! OMG! Oh quel dommage! Et premier point d'attaque là pour les Envision Tinitas. Stasix is online. Nice, au moins. Ils m'ont arrêté parce que le dernier truc qui a droppé. Now he's crying in the corner. Si tu penses à la pression. He can't handle the pressure. Allez, là, Sparko. Wow, Sparko s'est fait défoncer triple directement. Mais t'as. X-Player, il a mis un truc vraiment crade quand même. Je baise la merde hors de son. Oh là là, j'avoue, c'est grave. It's disgusting, you know. It's very disgusting. En tout cas, Zacubus d'attaquer là, ça claque les roquettes. Attention là, le chemin middle qui est assez hard. Attention là, le tourné manège là avec Nanouchka. Et première touche de Sparko, non de Kwako, pardon, je crois que c'était Sparko. Et ben voilà, la deuxième de Sparko, peut-être la troisième. Et non, la troisième de Kwako, très bien joué de la part des défenseurs qui mettent leur premier point de défense. On rappelle, c'est la dernière map, last map, pour avoir le gagnant de cette ESL Beta Cup numéro 48. EU. Voilà, le coup de rail qui est pas passé loin au niveau de la hauteur là. Kwako qui attend. Ils attendent de rusher tranquillement, babe. Et la décale qui marche pas trop, Fantastic qui met un hit. Alors, il aurait pu en prendre plus là, mais Fantastic qui tombe. Est-ce que un de ses coéquipiers lui a mis une roquette dans les fesses? Ouais, Kwako qui veut reprendre la droite, mais pour l'instant il n'y arrive pas. Il a réussi, mais maintenant il va falloir remonter. Là, il va être attendu. Oh, ça va, il s'en sort bien. La décale, il prend une roquette, il fait le frag. 1v1, Kwako. Face à NVC, NVC, Kwako, et c'est Kwako qui gagne, il a tellement brain en faisant tourner en bourrique quand même. Ouais, bon.
Monter au-dessus, aller sur le côté, monter au-dessus. Non, c'est bien joué. Très très bien joué de la part de Quaco là. On voit que les maps elles ont été un petit peu bossées là quand même. C'est clair. Allez, de toute façon c'est égalité parfaite là entre ces deux équipes sur cette dernière map. Et NVC qui passe côté gauche. Il y a Quaco en face de lui, Nanushka, Sparko, il y a les trois défenseurs, et là par contre attention, elle aurait dû rester un petit peu, aurait dû rester un petit peu avant de ressortir. En tout cas, il arrive quand même à faire le kill sur Nanushka, même si celui-ci lui enlève un point d'armure, le duel avec Quaco, Quaco qui met le deuxième hit, oh Sparko qui se fait avoir, là c'est dommage, et là ça va être dur pour Quaco, même si NVC a qu'un point d'armure, attention, et c'est fait pour NVC. Ah là 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 là, le travail de Quaco là, qui passe à la trappe avec NVC qui met son deuxième attaque là pour les Dignitas. Et 3 à 2. Match très Très dur serré à... hein, depuis le début, c'est vraiment ça. Ouais. Allez, Vraiment Nanushka impressionnant, ouais. qui attaque, il a pris son temps, il a attendu un peu, il a voulu prendre de la hauteur. Et on va voir comment il va aborder son attaque sur cette map. Cette map que j'aime bien. Hein. À dire, je kiffe cette map fantastique pas qui mal, hein. tombe sous la sous le coup de raid de Nanushka. Le duel entre les deux joueurs là, le coup de raid qui passe juste à côté. Zakubus qui met hit, et là il y a culé dans un coin de Nanushka. Zakubus qui met deux hits, NVC qui tombe, Zakubus qui reste tout seul. Le coup de raid qui est loupé et le contact au final, c'est Zakubus qui gagne encore une fois son duel comme tout à l'heure. Et 4 à 2 pour les Dintas. Ouais, moi dans le classement des maps, tu vois, je verrais bien en premier Daybreak, enfin pour moi, hein, Daybreak, celle-ci, Iron Fist, et Rust, pour celle qu'on a vue ce soir, tu vois. C'est vrai qu'après moi, j'aime bien particulièrement Daybreak, celle-là aussi je la trouve vraiment bien, ouh là là, fantastique, il a pris double touche là, et après au final, ouais, je mettrais bien l'autre, Rust en troisième. Pour les maps qu'on a pu voir ce soir, c'est des bonnes nouvelles maps, on peut dire, ouais, en général. Ouais. En général, ouais, c'est quand même, c'est clair. Allez, le kill qui est fait là, sur Nanushka, un point d'armure fantastique contre Quaco et Sparko. Allez, jouer le chip pyrogène. Attention là, ah oui, le strafe là. Sur la roquette, c'est un petit peu dommage. Tout à fait, Jean-Pierre. Ah oui, ça est relié du niveau là. Là c'est clair, hein. Vous avez la Mais crème de la crème de toute façon. Il y a toujours du niveau hein, dans le SL Beta Cup en général. Ouais. Au défi final, ouais. Là on a eu 44 équipes, le maximum qu'on a eu c'est 60. On n'a pas dépassé plus de 60 pour l'instant. Mais j'espère bien qu'on dépassera. Gare, c'est ça que je te parlais. Peut-être moins de remontée, tu vois, comme ça. Ah ouais, sur ouais. le côté, Sparko c'est possible, qui ouais. est remonté par le bumper, le duel là, c'est bien fait sur sa cupule. Ça, il était bloqué. Ah, il était totalement bloqué, t'as vu? Il arrivait plus du tout à bouger, mais il a réussi à tomber au bon moment. Ah, c'était bizarre, hein? Ouais. Oh, le bon. Ouais, le sur fantastique qui prend vraiment très cher. NVC qui se sauve la vie avec un petit rocket jump, mais il va falloir le garder, Sparko, parce que Sparko il est très chaud. Encore essayer de prendre en armure, il va peut-être recoller au score. Le duel et il recolle au score 4 à 4. Vraiment showtime comme match en 4 rounds. En 8 rounds, on a 4 attaques, c'est pépère. Ouais, 8 rounds, 4 attaques, c'est vraiment du bon ouais. match, ça c'est clair. Hein. Ouais, si Aero. Tu comptes toutes les attaques depuis les deux autres maps, ça en fait des attaques, je te le dis. C'est vrai, Aero, il a dit un truc, c'est vrai que le match le plus fou c'était les Epsilon contre les Waiting ou Impure, je pense que t'as gagné. Avec les Waiting encore. Oh là là. Ça fait mal là. Sur Sparko. Ou Quaco là qui aurait pu se faire punir, c'est bizarre ce move de Quaco, en même temps il aurait peut-être pas pu remonter sur le côté droit, il a raison. Bien Brain. Allez attention Nanushka, il faut qu'on se donne, attendre que Quaco revienne. Première touche de Nanushka, ça c'est bien. Et la deuxième et la troisième, très très bien joué de la part de Nanushka là. Qui vont recoller au score au niveau de la défense. C'est bien, enfin non, qui prennent un point d'avance au niveau de la défense, pardon. Quaco qui tente un long raid, tu vois, ça fait pas perdre de temps. Il fait comme... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, il y a quelqu'un qui le fait. Depuis tout à l'heure, j'attends. Je croyais qu'il y avait moi qui arrive à le faire, mais non. Hein. Enfin, pas besoin de talent pour le faire.
Bon, en même temps, on l'a pas vu souvent, Iron Fist, hein. On l'a vu deux ou trois fois au max. Ouais, et Quacko qui prend une roquette mais qui fait un kill là, sur NVC. Quacko qui fait une décale au niveau du pod, il voit personne, il préfère revenir en arrière, monter directement en haut à gauche. Et il va aller au niveau du spawn, il va peut-être essayer de prendre de la hauteur. Il passe au-dessus de l'Incubus, il tombe sur l'Incubus même, on peut dire. Deuxième hit de la part de Fantastic. Ah, le coup de rêve qui est arrêté par la grille. Le duel entre les joueurs, gauche, droite, et ça passe pour Quacko. 6 à 4 et ils prennent enfin l'avantage, les Pyrogen Fire. Ouais, l'avantage d'une attaque là pour les Pyrogen. Pyrogen Player. Pelunch player là, la Tananushka qui remplace Hybride ce soir. Allez, NVC qui part côté gauche, il devrait peut-être les brain. Oh, Quacko, qu'est-ce qu'il fait là, Quacko? Le 1v1, ah, il arrive quand même à mettre deux touches. La bonne opération de la part de Quacko, même s'il se fait éliminer par la suite. Allez, NVC là, NVC il a envie de recoller au score, ça se sent. Il n'y a plus qu'un point d'armure, il l'avait déjà fait hein, contre Pyrogen, un point d'armure contre deux. Défenseur, c'est faisable pour NVC. Je sais pas ce qu'il a voulu faire sur ce move là, il est retombé, il est retombé middle et là tout de suite au middle ça va être beaucoup plus dur pour lui. Attention, Nanushka ne pas trop se donner, oh, il y a Sparko shot. Quand même. Hein. Ouais, le... très joli free shot. Hein. Dommage. Ouais, Aero, les Américains s'entraînent sur ces maps depuis des semaines, mais franchement, d'après moi, les Européens ils vont avoir beaucoup moins de temps pour s'entraîner dessus et ils vont être beaucoup plus forts. Ouais, parce que de toute façon au niveau américain c'est clair que le sur les premières IPL on a pu le voir, ça c'était lamentable le niveau américain. Donc voilà. Voir quelques équipes et rien, quoi. Ouais, donc après est-ce que ça a bien évolué, on va bien voir. Et moi voilà quoi, je vois encore une équipe européenne qui gagne l'IPL. Ça c'est clair, là, je revois bien l'école, voilà. Allez, Nanushka qui a pris double de la part de Zacubus et de NVC, il fait le kill sur Fantastic et Zacubus qui lui court dessus et qui met le dernier hit. 7 à 5 pour les Pelush players. L'avantage d'une petite attaque, c'est pas beaucoup, mais ça peut être le faire. Ouais, ça va être juste, hein. Comme on l'a dit sur MR6, ça fait la diff sur du MR9. Une attaque d'avance, c'est pas ça, ça peut le faire. Surtout à ce niveau là. Allez, on va voir. Fantastic là qui a voulu passer middle. Oh, ça aurait pu marcher là, ce petit wall jump là sur le côté. Est-ce qu'il va prendre de vitesse Nanushka? Ça c'est fait, ça c'est bien joué, même si Quacko est là pour le revenge. Oh, j'aurais cru. Ah, la double touche là de Quacko, c'est dommage. Non mais qu'une sur Fantastic. Fantastic 7 secondes avant de pouvoir s'élancer sur le pôle. 2 points d'armure, 2 défenseurs et le kill qui fait sur Sparko. Sparko qui était un petit peu hors pause et le kill là. Tout est à refaire pour les Pyrogènes. Les Dignitas qui reviennent à l'égalité au niveau des attaques. Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Ouais, ça va être showtime. Ça a pas mal évolué, Kitty. Okay. Ça a pas mal évolué, mais tu verras les qualifs IPL et tu compareras assez rapidement à mon avis. Ah, les North américaines et les Upper européennes, on verra bien. Sur les VOD. Qui fait la décale et qui fait directement le kill sur Fantastic, mais il n'y a plus qu'un point d'armure, Sparko. Contre deux joueurs de chez Dignitas. Des équipes comme Pyrogen et Dignitas, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas que deux ou trois en Europe. Hein. C'est ça le problème aussi. On a au moins 10 bonnes équipes en Europe, quoi. Et donc avec les cônes, s'ils ont le même niveau qu'avant, un cran dessus quand même. Voilà. Ouais, c'est clair. Non, là, on a facile 10 bonnes équipes au niveau européen. Oh, le double claquage roquette de Zacubus, là. Alors qu'au niveau américain, en top team, voilà, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et encore. Alors, Zacubus qui passe côté gauche, il prend la hauteur. Est-ce qu'il va avoir un petit... Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est un joli move de la part de Zacubus qui n'arrive pas à le concrétiser. C'est dommage. À méditer sur ça là, ce soir. Joli move à tenter de la part de Zacubus. Oh, la touche là de Nanushka et Sparko.
Allez, Zacubus qui se retrouve maintenant à un point d'armure contre deux défenseurs. 12 secondes, ça va être dur là pour Zacubus. Oh, le kill fait sur Quaco. Peut-être le même kill fait sur Sparko. C'est pas passé loin là. 5 secondes pour Zacubus. Attention là, Sparko. Waouh là là. Quel dommage. Quel dommage en tout cas. Bien joué de la part de Sparko. Ça aurait pu être fatal là, ce rocket jump. Ça aurait pu être fatal. Ils sont venus à égalité en fait. J'ai même pas fait gaffe. Égalité entre les deux équipes là. Au niveau des attaques, ouais. J'ai même pas fait. C'est pas grave, avec Quaco qui attaque, il peut faire gagner son équipe maintenant pour cette dernière map de cette ESL Beta Cup BDK de la part de Zacubus. NDC qui se fait avoir, il avait été grillé, il a décalé, il tombe. Voilà, tu crois un peu au Père Noël, je crois, Quaco. Hein. Bon, de toute façon tu peux pas monter, il va peut-être tenter une décale comme ça, c'est tout. Mais là je crois que voilà, ils sont replacés les Dignitas. Ouais, elle a perdu du temps. Deux points d'armure. Il essaie de brouiller les pistes, il monte, il prend une belle roquette de la part de Fantastic, le coup de rail qui passe pas loin. Oh, oh là le duel, oh, c'est chaud. Oh le fail de Zacubus quand même. Heureusement que Fantastic il arrive par derrière. Ouais. Parce qu'il n'avait plus le time, Quaco. Si je pense à Aero, tu verras aussi les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs qui vont arriver, tu vas psychoter. Ouais, quand tu vois Onibi, quand tu vois Torbi, les gars ils ont 12 ans et 13 ans. Voilà. Cale de ces trucs. C'est clair. Ce point, Subet, il a totalement raison. Là, il y a une nouvelle génération qui va débarquer là, elle va faire très mal. NBC qui part au middle, qui loupe le rail là sur Quaco qui était en fufu là en dessous du high speed, oh, et qui se fait sortir là par NBC. Là c'est bien joué de la part d'NBC qui a toujours ses 3 points d'armure contre 2 défenseurs. Il va essayer de sortir Nanushka. Alors peut-être qu'il devrait faire un freak shot. Ah, c'est bien joué même s'il perd un point d'armure. Et là c'est le duel contre Sparko. Et deuxième touche là, la part de Sparko. Attention, ne pas en prendre une. Oh, c'est tellement dommage. Ah, je le voyais pas sur lui quand même. La roquette, je la voyais un peu plus sur le côté. Mais au final. Ouais. Dommage. En tout cas, balle de match pour Nanushka. Cette attaque. Oh, putain, je crois qu'il allait tomber dans l'eau, moi quoi. Aussi. Oh, moi aussi. Oh my god, quoi. J'ai tellement cru qu'il allait tomber dans l'eau. Et Nanushka, ouais, qui peut mettre son attaque pour faire gagner son équipe. Sinon, alors, on partira. Sur la round suivant, allez, il va chercher la décale au niveau du réel, mais non, il est de l'autre côté. Oh, ok, c'est là, même ça. C'est dommage, ça aurait pu marcher. Là, il est vu, hein. Il est complètement la preuve, il prend une roquette. Il décide de passer par derrière. Tu me pour monter là. La petite décale, ah. Le duel face à face contre NBC. Et je vois pas comment il va pouvoir mettre son attaque, Nanushka. Pour moi, c'est fini. Allez, 8 à 9 à 9 entre les deux. Bah, oui, c'est short. Oui, ah, Aero, ouais. Il y a des joueurs de 12 ans. Torbi, le frère de Morty, qui est vraiment très très chaud. Mais abusé. Et après, il y a Onibi, ouais, Morty qui joue chez les kicks et Onibi qui va avoir 14 ans, le frère de Soon, et qui est très chaud aussi, et Soon qui est chez c'est ARG. Ouais. Bonne line-up là chez ARG, Scotty Jester. Ouais, ils sont capables. Ouh, de se qualifier. Attends, qui s'en sort bien là. Pour les IPL, franchement, ils sont capables. Ils sont capables, mais après, est-ce qu'ils vont avoir le time là? C'est vrai qu'ils ont des problèmes au du temps. Encore à l'école, je crois, au lycée, du moins, je ne sais pas. Enfin, voilà, pas forcément le time. L'étude qui passe en premier, c'est sûr. En tout cas, fantastique. Un point d'armure contre deux défenseurs, ça va être dur pour lui. Allez, là, Quaco, Sparko, faut la mettre là. Ce point de défense, il faut le mettre. Ce point de défense, ça serait tellement dommage de prendre stat. Oh là 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 là, fantastique. Ouais, Onibi qui est sur le marché de l'e-sport, alors si ça vous intéresse. C'est son manager, on va dire. La ville. Allez, Sparko qui attaque pour les Pyrosiennes, il est obligé de mettre son attaque, elle se verra son équipe s'incliner dans cette finale au terme d'un match vraiment énorme. Oh là là, très, le coup de rail directement sur Zacubus là, ça part vite.
Mais c'est tendu. Allez, Sparko qui va aller chercher peut-être un joueur. Et non, il cherche la roquette. Une deuxième roquette. Oh là là, bien joué de la part des Nintas là. Qui retourne la situation en 2 secondes. Allez, Sparko. La roquette qui passe pas très loin. Il faut trouver la solution là, Sparko. Oh, les roquettes qui passent pas loin. Dur là, ça va être dur pour Sparko. Hein. Ça va être très très dur pour Sparko. Qui s'avance. Oh là là, il esquive bien les roquettes depuis tout à l'heure. Il va se faire rusher par NBC. Il tue NBC. Duel contre Fantastique. Il la gagne. Oh my god, le niveau qu'on a dans cette finale. Il y a 4 attaques de chaque côté. Ça fait 8 attaques en 20 rounds. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Même les joueurs le disent. C'est vraiment un match de ouf. Ah carrément, là ils nous font plaisir là ces deux équipes. Belle finale, on voit pas le temps passer, il est déjà 1h30, vous en rendez compte, j'ai même pas vu le temps passer et au final ça fait tellement plaisir d'avoir des matchs comme ça. Allez Azacubus là qui passe le middle, qui va tenter la décalcation. Nanushka, ça ne passe pas, alors elle qui claque sur le grillage. Ah première touche de Nanushka, ça c'est bien fait de sa part, attention les. Oh les pyrogènes qui le rush, qui le repoussent complètement là, ils en ont marre. Attention de pas se faire avoir bêtement, c'est faisable là pour Zacubus même avec un seul point d'armure. Et là Sparko qui a bien fait de back là, il était très mal positionné. Nanushka je ne vois pas où il est. Bah ok, il était sur le pole et Sparko dans la cahute qui met la dernière touche sur Zacubus. 11 à 10 là. Tu me tues à chaque fois que tu dis la cahute. Ouais bah pour moi c'est la cahute quoi. C'est petit truc comme ça, on dirait des tentes quoi. On dirait des tentes quand elle choua, tu sais. C'est ouf quoi. 6h50 de bas. Ah ouais bah. Aïe. 6h50, ouais, ça vaut. 7h10. Chaud, chaud. On va pas les déconcentrer là, on va pas les déconcentrer. Ah ça va les motiver, gars. Voilà, premier kill de fait. Allez, 10 à 11, si jamais il peut faire gagner son équipe. Et encore ses 3 points d'armure en plus, il va chercher le joueur au niveau du couloir. Ah c'est risqué ça, mais il passe quand même. Oh oh punaise, il prend qu'un hit et fait le kill. Oh là là, c'est tendu, c'est très tendu. De manège de Quaco quoi. Et Quaco essaye de faire la décale, il n'y arrive pas, il se fait agresser. Fantastique. Il va la mettre, il va la mettre. Et c'est gagné pour les Bulls players. Fantastique qui rush quitte. Zacubus quand même. Ah, GG tout le monde. Match, hein. Ouais, franchement, gros.